une société plus juste, une société plus durable, une société plus démocratique. Ce sont les trois axes, les trois fibres de l'ADN de l'écologie politique et en fait, vous ne pouvez pas les séparer. The Greens European Free Alliance, or Greens EFA for short, is a progressive pro-ecology parliamentary group. It consists of three distinct parties, the European Green Party, the European Free Alliance, and the Pirate Party. The group is co-chaired by Scar Keller from Germany and Philippe Lamberts from Belgium. Toute action européenne, alors ça peut être une action législative, adopter une loi ou dépenser de l'argent ou lever de l'argent, doit obéir à la double contrainte de réduire notre empreinte écologique et de réduire les inégalités. Si vous passez toute l'action politique à ce crible-là, en fait, vous changez complètement de politique. Et donc, si vous voulez, ce que nous voulons, c'est changer le cadre. Changer le cadre de référence. In the 2019 European elections, the Greens won 74 seats in the Parliament, making it the fourth largest group. It has members from 16 different EU countries, with the biggest delegations coming from Germany, France and the UK. Je pense que de plus en plus de gens se rendent compte dans la société que les choix qui sont faits au niveau européen sont cruciaux, absolument cruciaux si nous voulons peser sur notre avenir, c'est-à-dire avoir de la souveraineté. Maintenant, la question c'est, est-ce que nous sommes capables de réconcilier les choix faits au niveau européen avec l'intérêt général? Qu'on le veuille ou non, si on regarde les 30 dernières années, eh bien, les choix politiques en Europe ont bénéficié à une seule catégorie de la population, ce sont les détenteurs de capitaux.